Amis Domzy, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la chronique du bus numéro 58. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une map que j'aurais déjà dû vous faire il y a de cela un an, puisqu'elle est sortie en juin 2015. C'est la map de Mainz. Nous sommes aujourd'hui avec un man Lions City Ré. Ré signifiant littéralement Gelenkbus ou articulé si vous préférez en allemand. Et nous allons faire une 69 qui relie donc Hauptbahnhof jusque Farche Rouge, quelque chose que je sais plus quoi. Alors on va attendre qu'il change parce que là, la girouette met départ dans 5 minutes. On va donc jusque Farnoschkul, Unicampus, un truc comme ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente donc le trajet que nous allons faire. Hein. Nous allons faire ce trajet là. Allez, s'il te plaît. Oulala. Il y a des petits ralentissements, je sais pas pourquoi. Donc c'est une toute petite île de 10 petites minutes. Hein. Une petite chronique du bus. Alors c'est vrai que j'avais prévu d'en faire une plus longue. Hein. Mais malheureusement, je ne pensais pas que ça allait prendre si peu de temps. Et comme vous savez, ces derniers temps, vous savez, ces vacances-ci, je suis très occupé. Je dois aller aider mes parents avec leur jardin. Hein. Voilà. Oh, regardez qu'est-ce qui arrive là. Un beau petit tram, une belle petite Siemens. Oula, là, c'est pas un peu dangereux là, comment je suis mis? Salut, collègue. Alors, en parlant de tram, justement, eh bien, il faut savoir que vous aurez bientôt... on va bientôt avoir deux trams. Hein. On va avoir deux très belles Tatras qui vont arriver... au mois de septembre, fin 2016. Elles sont juste magnifiques, vous allez voir. Elles sont juste splendides, ce sont des trams gratuits. Qui sont juste fantasmagoriques. Alors vous savez qu'on aura forcément un tram payant aussi. Mais ça forcément. Allez, on va se mettre en place si vous le permettez. Alors le bus est un... Et fourni avec la map hein. Les bus, l'articulé, le standard et l'interurbain articulé sont fournis avec la map. Voilà, comme ça vous avez tout en un. Donc allez, on va prendre nos voyageurs. Voilà. Guten Tag. Allô. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ça va laisser ouvert pour les passagers, c'est mieux. Voilà. Alors de quoi est-ce qu'on va parler dans cette chronique bus 58? Eh bien dans cette chronique bus 58, on va pas parler d'un gros sujet puisque eh bien la ligne n'est pas très longue, donc j'aurai pas l'occasion de parler d'un sujet en profondeur, si je puis me permettre. Eh bien dans cette chronique 58, j'aimerais juste vous parler un petit peu de ce que je pense de Fernbus Simulator. Hein. Vous savez que Fernbus Simulator, c'est le prochain gros jeu de bus qui a été annoncé. D'ailleurs il y a Galax qui a fait une vidéo dessus, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui de Fernbus. Voilà, donc il faut attendre un petit peu que la se charge. Ça, malheureusement, voilà, ça c'est fait. Parfois, il... Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, Omzi m'a bien se bugger, c'est pas grave. Donc, on va parler donc de Fernbus Simulator dans cette vidéo, parce que c'est dire, tiens donc, Techmonce, sur Fernbus, il y a des man et tu prends un man. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il met? Beat up Faren. Ah oui, je sais, c'est le truc qui dit que tu peux y aller, que c'est l'heure de partir. Voilà, Schinderhand, voilà ma spidule. Allez, c'est parti. Destination université. Alors, ici, la gare de Mainz. Oulala, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah non, ça va, il va pas du tout en sang. Un collègue qui passe en Lion City GU. Donc, on tourne ici. Alors, qu'est-ce que je pense honnêtement de Fernbus Simulator? Eh bien, je sens que ça va être un bon jeu de véhicule, un bon jeu de car ici en l'occurrence. Puisqu'il faut savoir que Flix... Oulala. Remonte. A mon avis, ça doit être le poids de la remorque derrière qui... Oh bah c'est vert. Attends, c'est moi qui passe. Toi, t'as le temps, tu finis l'interurbaine. Et tu vas pouvoir attraper ton retard facilement. Donc. Alors, je sais plus si je dois aller tout droit ou si je dois aller à droite. Non, je dois aller ici. Sur les voies de tram, c'est un petit peu dangereux quand même. Hein. C'est pas grave. Donc comme je le disais, pour moi, Fernbus, ça va être un jeu qui est très intéressant. Ah, la lance vocale qui est pas partie, c'est bizarre. Hauptbahnhof West, Taubertsbergbad. Donc comme je le disais, ça va être un très bon jeu de bus. Hein. Il a l'air vraiment très très bien fait, très joli à regarder. Et le gameplay a l'air d'être vraiment profond. Après on verra un petit peu comment ça va se passer tout ça, mais moi personnellement je le sens bien. Et selon notre ami Galax, il serait moins gourmand comme Z2. Donc il y a peut-être des chances que je le fasse en vidéo sur ma chaîne. Hein. Je ferai peut-être, je ne sais pas si je ferai une série, mais je ferai au moins une vidéo découverte sur le jeu. Ça c'est une certitude. Après on verra un petit peu pour la suite.
Oups. Universität. Gutenberg Buchhandlung, Dr. Kohl. Donc je le disais, on verra un petit peu. Mais moi personnellement, je le sens bien faire un Bus Simulator. Il a l'air très bien fait, bien meilleur que Bus Simulator. Et en plus, la particularité de ce jeu, c'est que c'est la première simulation de car hein, qu'on a sur un jeu vidéo. Parce que les simulations de car dans les jeux vidéo, ça ne court pas les rues. Je dois aller à droite ou je dois aller tout droit? Je sais pas là. Donc là, techniquement, c'est 70, je crois. Enfin, nous sommes encore en agglomération, donc c'est 50. Ah ouais, j'avais ce que je pensais, je devais aller sur la bande de droite. Alors, excusez-moi si vous avez vu un panneau qui indique qu'il faut aller sur la bande de droite. Hein. Donc voilà, donc la prochaine arrêt c'est Universität. Donc on fait un arrêt ici. Alors la ligne n'est pas très longue, elle fait 10 minutes à peine. Hein. C'est pas très long. Ou je ferai peut-être le retour aussi, puisque vu. Là-haut. Veuillez m'excuser s'il y a des petits ralentissements, c'est. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, je pense que ça devrait être tout à fait regardable. Alors on laisse sortir les gens. Ah, on est un petit peu en avance. C'est pas bien quand on... Oula, c'est tout pixelisé, c'est horrible. Ah ben, il y avait personne dans mon bus. Je me demande pourquoi est-ce qu'on m'a donné l'articulé alors qu'il y avait personne dans le bus. Non mais franchement. Bon, c'est pas grave. Peut-être si on dit bon, c'est universitaire ou juste comme ça. Voilà. Alors laissez-moi le temps de recadrer ici, ITCS. Alors il y a un truc que j'aime beaucoup sur ce bus, c'est le système Ibis ici. Et il y a une petite fonction, je crois que c'est ici, Anzeigen. Bingo. Et sur Anzeigen... Je t'ai pas demandé que tu me le mettes, machin. Sur Anzeigen, donc, vous avez donc des petites annonces comme ça qui sont très sympathiques, donc je vais vous les faire découvrir. Là, c'est quand vous arrivez au terminus. Là, c'est la deuxième annonce. Après, là, c'est l'annonce quand vous arrivez au terminus. Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Puis après, ça c'est sûrement pour les portes. Wir bitten Sie, von der zweiten Tür zurückzutreten und in den hinteren Teil des Fahrzeugs durchzugehen. Vielen Dank. Der Schienenersatzverkehr endet hier. Wir bitten Sie, zur Weiterfahrt in die Straßenbahn umzusteigen. Voilà, donc vous avez entendu les annonces vocales, hein? Non, c'est pas bien synchronisé, toi. Hauptbahnhof West. Mais non, pas Hauptbahnhof West. Moi, je vais aller sur Universität. Allez, vas-y, voilà, c'est bien. Tu m'as synchronisé sur l'arrêt, c'est fantastique. Et allez, donc, c'est parfait, on peut y aller. Quand tu veux, Omzi, merci. Donc, il semblerait, selon notre ami Galax, que faire un bus serait beaucoup moins gourmand comme Omzi. Franchement, j'ai hâte de voir, parce que si ce jeu est moins gourmand comme Z, il va passer presque crème sur mon PC. Pourtant, j'ai un PC qui a une config assez ancienne quand même. Mais je pense que ça devrait aller de façon plus ou moins correcte. Hein. Après, on verra un petit peu. Mais moi, je vous avoue, j'ai vraiment très très hâte de rouler sur Fernbus. Je n'ai pas été pris par les bêta-testeurs, malheureusement. Hein, je ne sais pas pourquoi. Alors que je vous dis, je suis un grand fan de la cité Flixbus. Hein. Ils ont quand même un très grand choix de véhicules, hein, Flixbus. Hein. Ils ont du MAN, du Neoplan. Ils viennent récemment d'avoir des VDL Futura, mais ça c'est pour les lignes vers la Pologne, je crois. Ils ont quoi encore? Ils ont de magnifiques Cetra S431DT, je sais plus exactement comment ils s'appellent, le Cetra avec l'étage au-dessus. Ils ont des Intouro, mais ça c'est classique. Hein. C'est un arrêt ici? Non, visiblement non, je pensais que c'était un arrêt, mais non. Donc ils ont de superbes Intouro aussi, une Mercedes Intouro. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont du Volvo aussi, du côté de Flixbus. Hein. Donc vraiment, ils ont beaucoup de véhicules différents. Et dans le jeu, Fernbus Simulator, il y aura un seul bus jouable. Ce sera un Lions Coach. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Lions Coach. Non. Lions Coach et Lions Regio, c'est pas vraiment le même bus. Le Regio, c'est plus pour de l'interurbain. Et le Coach, c'est plus de cartes de tourisme, hein, chez MAD. Hein. Nous aurons aussi un néoplan Skyliner, je crois. Skyliner ou Starliner, je ne sais plus. Non, le Skyliner, c'est le tourisme, je crois. Je ne sais plus, il faudrait que je me renseigne. Oula. Ou alors c'est le Starliner ou c'est le Skyliner. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. Mais on aura un néoplan à étage qui est prévu en DLC sur le jeu. Alors franchement, je vous avoue que moi, je kifferais, c'est avoir un magnifique Cetra...
S5. Vous savez, les tout nouveaux Cetra avec les tout nouveaux forts, comme ça, ils sont tellement beaux ceux-là. Je vous avoue que si jamais je devais conduire pour le Flixbus, je demanderais à voir ceux-là parce qu'ils sont tellement beaux. Ils sont de la gueule, mais ils attirent les regards de tout le monde. C'est assez impressionnant quand même. Mais franchement, je vous dis, j'ai vraiment très très hâte de rouler sur ce jeu. Franchement, franchement, j'ai vraiment super hâte. Oula, c'est 30 techmon, c'est pas 50. Faut te calmer un petit peu sur la pédale de vitesse accélération. Alors, je trouve que ce bus ici, malheureusement, il est pas très apprécié de la communauté française. Parce que c'est vrai qu'il est pas top niveau 3D. C'est vrai qu'on a vu mieux. Mais bon, ne vous plaignez pas, c'est gratuit. C'est du contenu gratuit, la map et le bus sont entièrement gratuites. Le bus est fourni avec la map, donc voilà, il faut pas trop chipoter quand même. La map est quand même de très bonne qualité, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et vous avez une ligne qui est quand même très très longue de, je crois, 3 quarts d'heure, la ligne interurbaine, qu'il faut faire avec le Lion City GU. GU qui signifie donc Gelenkbus Uberland, ou articulé interurbain littéralement en français. Littéralement c'est ça, hein. Oula, j'ai pas vu qu'Evana, l'arrêt était là. En même temps, il ne les indique pas, les arrêts. Comment vous les prévoir, hein? Bah, ça va vite, il y avait personne dans mon bus. Ça va, dis donc. Service express aujourd'hui, tant mieux. Vous allez... Enfin, tant mieux, vous allez me dire. Hein. Comme ça, on est pile à l'heure. On respecte pile poil les temps de parcours. C'est fantastique. Donc, en parlant de Lion City, pour Omzi, il va bientôt en avoir un nouveau, un hybride, un diesel Euro 6 et un EEV. Alors franchement, j'ai vu les photos, j'ai vraiment super hâte de pouvoir le conduire dessus. Le tableau de bord a l'air génial, quoique un peu trop sombre. Hein ? La Coco n'est pas au Bahnhof, là, nous sommes à Studiergenweg. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui ? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Je crois qu'en fait, le GPS a planté, en fait. C'est pas grave, on va profiter de l'arrêt pour le recalibrer. De toute façon, on est un petit peu en avance. Doucement le frein, pas violemment pour les voyageurs. Alors, on va reconnaître. Ah bah ça, c'est trop fort, ça. Ça indique Hauptbahnhof alors que nous sommes à Studiergenweg. Bon, écoutez, ce sont les caprices des GPS. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Les GPS intégrés. En fait, il faut savoir que dans les bus actuels maintenant, eh bien, on a ce système comme ça, un système de GPS. Et sur certains réseaux, dans certains réseaux, les annonces vocales, ça peut être géré avec un système comme ça, à peu près dans le même genre comme ça. C'est automatique. Alors, ça se base sur la position du bus par rapport à l'arrêt où il va arriver. Et parfois, ça déconne. Et parfois, on a parfois un arrêt d'avance, un arrêt de retard. Par contre, le fait qu'on a déjà le terminus avant même de... Pourquoi vous montez pas dans mon bus? Pourquoi, madame? Pourquoi vous voulez pas monter? Je suis un chauffeur sympathique, pourtant. Vous voulez pas? Mais pourquoi? Bon, pourquoi pas, si vous avez pas envie de... Non? Oh, mais regardez, c'est joli, ça, regardez ça! Avec le petit logo du tram, mais... c'est pas le bon film! Désolé, mais c'est pas le bon film que ça doit afficher. Ça doit afficher Farnoschroul, un truc comme ça. Tu veux jouer à ça, ok. Voilà. Voilà pourquoi il voulait pas monter, parce que c'était pas sur le bon film, tout simplement. Allô. Il s'était mis sur Hauptbahnhof alors qu'il doit mettre Farnoschroul parce qu'on n'est pas encore arrivé au terminus. Allô. Ah là 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 là, ce GPS. Enfin, que voulez-vous? Ce sont les caprices de la technologie, hein. Que voulez-vous, hein. C'est comme ça, hein. Bon, et puis c'est pas grave, nous sommes un petit peu en retard, mais on va le rattraper. Hein. Ah oui, il faut encore se resynchroniser, c'est vrai. On le joue un petit peu trop vite. On est presque arrivé au terminus. Hein. Duisbergweg. Oh, il m'a retrouvé, mais c'est fantastique. Mais c'est efficace quand même parfois, il m'a retrouvé en position. Moi je pensais qu'il allait mettre Universitat parce que j'ai remis le film Farnoschroul. Mais non, il m'a retrouvé à Duisbergweg, truc comme ça. Oulala. Il reste encore un petit arrêt avant d'arriver au terminus. Voilà, c'est fantastique. Allô. Allô. Oui, allô. Désolé, excusez-moi, je ne pouvais pas m'empêcher de faire cette blague vaseuse. Alors toujours pour parler de Fernbus Simulator, qu'est-ce que je voulais d'autre vous dire à son sujet?
Eh bien, si je n'ai que j'attends avec grande impatience, il sort fin août. Oula, oula, Tecmo, ce que tu fais? Bim! Oulala, oulala, j'ai cru que j'allais avoir la barrière en pleine figure. Ouh, c'est pas très professionnel ça, Tecmons, hein. T'auras pas ton permis D, hein. Permis D, qui, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le permis pour conduire des bus, hein. Et le DE, c'est pour les articulés. Hochschule Mainz. Normalement, c'est le terminus, donc il vient dire Endartestelle. Eh ben, schon, j'ai jamais su comment ça se disait, ça. C'est pas grave, hein. Ah, fait, on s'arrête parce que nous sommes des bons conducteurs, nous. Et si ça va, c'est fluide, c'est... Là, je suis très mal mis, je vois pas si c'est vert. Voilà, là, c'est bon. Et donc, je vous avoue que, à propos de faire un bus, je vous avais parlé tout à l'heure que j'allais peut-être faire une série. Il y aura au moins une vidéo découverte. Ça, c'est une certitude. Peut-être une série, je verrai bien. Je ne sais pas, je ne sais pas comment vous allez recevoir la série. Si ça vous plaît, je ferai peut-être un petit let's play, une petite série ou un truc comme ça. Ou une petite carrière suivie, pourquoi pas. Donc on verra un petit peu à ce moment-là l'accueil que vous ferez au jeu. Tout simplement. Ah, il y a un petit rond-point, il y a un petit demi-tour à faire ici. Je me demande si ce bus ici, il fait comme avec le C2 de Hambourg, qui change automatiquement la destination quand vous arrivez au terminus. Comme en vrai d'ailleurs, hein. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne et ça retourne. Ah bah écoute, eh bah écoutez, que direz-vous qu'on fasse le retour aussi, hein. Allez, tant qu'on y est, on va faire aussi le retour de la ligne, hein. Donc c'était 08. Voilà. Oui, c'est celui-là. Endhaltestelle. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Non, c'est, on n'est pas au Bahnhof, la coco. On est à Fachroule, méchant chouette, là. Il est où? Oulala, là là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a complètement désynchronisé, le bougre. Oulala, là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas grave, écoutez, ce sont les joies d'Omzi. Alors, c'est un petit peu dans le temps, on a un pouvoir de monter dans le temps. Hop, voilà. Ça y est, nous voilà partis pour faire le retour de la ligne. Et il y a des gens qui sont restés dans mon bus, hein. D'accord, d'accord Manfred, y'a pas de soucis, si tu veux rester dans mon bus, voilà, y'a pas de problème, tu peux, hein. Fais comme tu veux, hein. Si t'as envie de te promener, si t'aimes les bus et que t'as envie de te promener en tant que passionné, bah y'a pas de problème, l'ami. Voilà, j'accepte, hein. Moi, je suis un conducteur sympathique, hein, ça me dérange absolument pas que y'a des passionnés qui viennent me parler, hein. Voilà, et de toute façon, je suis un passionné. Mais si j'étais conducteur dans la vraie vie, ça me dérangerait absolument pas qu'il y ait des passionnés qui viennent... pour discuter un petit peu avec moi pendant que je conduis. Non, je vous avoue, ça me dérangerait absolument pas. Allez, c'est bon. Oui, je sais, il est temps de partir. Beat up Farron, je sais. Allez, hop. Allez, il est l'heure, c'est parti. Il est l'heure de partir. On respecte bien le feu parce que c'est important de respecter la signalisation. Voilà. Stop. Stop, voilà. Donc, je vous avoue personnellement que ma plus grosse crainte, si jamais j'étais... Enfin, ma plus grosse crainte par rapport à faire un bus simulator, c'est que le jeu ne passe pas chez moi. Mais, d'après ce qu'on m'a dit, il serait moins gourmand que Bus Simulator 2016 et moins gourmand comme Z. Donc, il y a des chances qu'il puisse tourner sur ma config, qui est une config assez préhistorique, il faut dire clairement, avec un petit Core i5 3230M Dual Core 2,6 GHz. C'est pas bien folichon, hein, niveau proco, hein. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas folichon, hein. Enfin, pas mal. Pas mal dans le sens du PC qu'on trouve aujourd'hui. Mais bon, niveau 8Go de RAM, là, je pense que ça devrait aller plus ou moins bien. Mais par contre, la carte graphique, là, je pense que le jeu va avoir du mal avec une GT720 qui est un peu hors d'âge, hein, quand on voit maintenant les nouvelles GTX qui sont sorties sur le marché, comme la 970, je crois. Non, c'est la 960 ou la 970, je ne sais plus exactement. Et la 1080 qui est juste un titan. Même s'il paraît qu'elle est moins puissante que celle qu'elle surpasse. Bon, bref, voilà. Je sais pas, franchement, si ça va tourner, j'espère bien que oui. Hein. Alors, de toute façon, que ça tourne en ultra, faut pas rêver. Hein. Mon PC ne sera jamais faire tourner le jeu en ultra. Quoique, on pourrait être surpris. Hein. Si le jeu tourne déjà en medium, comme on me dit actuellement, c'est déjà très très bien. Franchement, je serais déjà très content. Vous pouvez constater que ce man est très nerveux. Hein. C'est pas le bon arrêt, mon ami.
Là, je vais à Koblenzer Trasse. Puisque le petit symbole entre le A et le E, ça se prononce. Donc, au lieu d'écrire Koblenzer Trabe, faut dire Koblenzer Trasse. La tech mouche la route comme un gros pété. T'as fait rater sa sortie. Techmon qui respecte même pas le CD de passage. Mais j'ai du joue. Ah, arrête de demander. C'est pas bien Techmon, t'as grillé une priorité. Déploie-moi sous le permis. Plus personne. Ah oui, la troisième porte est automatique. Alors, laissez-moi vérifier, je crois qu'il a fait une bourde. ITCS. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Attendez, parce qu'il m'a déconnecté là. Allez, remonte-moi sur l'arrêt. Parce que normalement, il pouvait bouger ici. Bon, bah apparemment, il semblerait que le GPS ait décidé de ne pas fonctionner. Les mystères de l'informatique, hein. Que voulez-vous, c'est comme ça, hein. Eh oui. Alors à propos de fin du simulator, eh bien, oui, je sais, je reviens plusieurs fois à la discussion là-dessus. Eh bien, je pense qu'il va recevoir un très très bon accueil de la communauté. Même les gens qui ne sont pas très cars devront quand même l'apprécier. Bon, alors moi, personnellement, vous savez, j'aime tout ce qui est transport en commun. Donc c'est tout à fait logique que ce genre de jeu, eh bien, je vais jouer dessus. Voilà, c'est clair. Voilà. J'adore les bus, j'adore les cars, j'adore les trains, j'adore les trams, j'adore les métros. Donc c'est complètement impossible que je ne passe pas à côté de ce jeu qui a l'air vraiment très très bien quoi. Alors je ne sais pas si on peut dire que ce sera le nouvel OMSI. On verra bien, je testerai le jeu pour avoir mon avis concrètement dessus. Mais le fait qu'il puisse surpasser OMSI, je pense pas, non. Je pense pas qu'il va surpasser OMSI. Hein. Il va être très très bien le jeu bien sûr. Mais surpasser OMSI, ça je ne sais pas ça. Voilà, donc l'avenir nous le dira. Mais toujours est-il que par défaut, nous avons une map qui est quand même relativement grande. On a à peu près une quarantaine de villes sont disponibles dès la sortie du jeu. 40 villes allemandes, c'est quand même pas rien quand même. Ça fait une map qui est quand même assez grande, hein, qui a l'air quand même plutôt... Voilà, il y aura vraiment de quoi faire. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait aussi des contrôles routiers qui étaient prévus. Je peux passer là? Oui, je peux y aller, c'est bon. Il y aura aussi au programme aussi des contrôles aléatoires qui vont venir contrôler votre chronotachygraphe. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un chronotachygraphe, eh bien en gros c'est un petit boîtier qui enregistre les kilomètres que vous faites, hein, tout simplement. Alors je dirais pas que c'est comme la boîte noire d'un avion, mais... Oula, le bus qui a pas voulu charger les textures, super. Je dirais pas que c'est un peu comme la boîte noire d'un avion, mais voilà. Ça permet de savoir le kilométrage qui a été fait, tout simplement. Et il y aura ce genre de contrôles sont prévus, il y a des accidents prévus. Ce serait bien qu'il y ait des déviations aussi. Ça, ce serait vraiment très sympathique, les déviations également. Oula, heureusement que je regarde, j'ai failli rater ma sortie. Oh là là, on parle et on rate la sortie. C'est quoi ça, Techmons? Eh, parce qu'il y a une sortie spécifique. Hein. Sortie bus, comme vous le voyez. Les annonces vocales qui déconnent, c'est pas grave. Hein. Alors j'ai remarqué aussi un autre truc que Galax a eu qu'un problème dans sa vidéo, c'est qu'il n'arrivait pas à faire changer les passagers. Et ça, pour un jeu de conduite de car, ça peut être très fâcheux même. Oula, non, je ne serais pas m'arrêter à temps. Techmon qui crée un feu, c'est pas bien. Oui, mais l'orange, mais le feu orange, c'est s'arrêter si les conditions de sécurité sont réunies. Voilà, ça veut dire qu'on peut s'arrêter que si on a le temps de freiner, concrètement. Ah, c'est dans le code. Allô. De la route, j'invente rien. Bonjour mamie. Je vais aller, c'est parfait. Allez hop, on va prendre notre petite voie réservée, notre petite voie propre, qui est juste là, c'est fantastique. Une belle petite voie propre, rien que pour nous. Ah oui, on est des privilégiés, t'as vu ça? Alors dans cette vidéo, je l'ai peut-être pas dit au début de la vidéo. Regardez ça. Le bus qui a la priorité sur les voitures, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Hop, oh, bah, on va arriver un petit peu en avance au prochain arrêt, donc on va rouler un petit peu plus doucement quand même, faut pas l'exagérer. Et donc personnellement,
toujours en parlant de ferrains de bus, j'ai vu des photos de certaines gares, comme celle de la gare de Köln, donc Cologne, et c'est super réaliste. Alors j'ai déjà été une fois à Cologne, hein, pour aller prendre des bus en photo comme ça et pour aller promener. Oula, oula. Oh là là, Tecmo, on sait. Non, non, je ne serai pas me freiner à temps. Je disais, j'ai déjà eu l'occasion d'aller une fois à Cologne, hein. À Köln, Köln Hauptbahnhof. Là, c'est le côté. Qu'est-ce que tu fais, Tecmons? T'as pris la mauvaise sortie. Ah, il faut quand même avouer que la vie est très bien gérée et la map est plutôt légère. Hein. Bah, c'est parce qu'ici, mon logiciel de capture prend le gros des ressources, parce que sinon, sans mon logiciel, ScreenPresso, bah, ça passerait sans aucun problème ici. Hein. On doit être dans les 30 FPS. Voilà donc. Hauptbahnhof West, Toberbergsgarbe. Et donc la gare de Cologne, la gare routière de Cologne est très très réaliste par rapport à la vraie. Hein, un collègue qui arrive, qu'est-ce qu'il fait comme ligne mon collègue? Wow, Molo, t'as vu comme il arrive? Eh, Molo sur l'accélérateur, Roger. Oh là là. Alors évidemment que quand le tram va sortir, je le ferai en connecte du bus, bien sûr, pas de soucis. Alors pour faire un bus, si j'accroche vraiment au jeu, je ferai peut-être une chronique du bus spéciale faire un bus. Hein. Là on conduira donc un magnifique Lions Coach de faire un bus. Entre deux villes, j'ai pas encore décidé les villes qu'on allait faire. Hein. Enfin, je sais pas encore, faut voir un petit peu quand le jeu va sortir. Après il faut faire des tests, voir si le jeu passe sur c'est ma config. C'était un truc classique. Voilà, nous voilà déjà revenus à la gare de Haken. Haken, Hauptbahnhof, Haken, Mainz, pardon. C'est pas du tout dans le même coin. Hein. Donc on attend quelques instants le temps que... Arrêt fantôme. Ouais, arrêt fantôme. Alors j'appelle ça arrêt fantôme. Ah oh, bah voilà, ils se foutent de moi, hein. T'aurais pu sonner avant, Coco. Oula, doucement, doucement, Tecmons. Faut pas percuter ton collègue. 68, donc c'est pas pour moi. Donc je dois aller me garer un peu plus loin, je crois, pour moi. Soit 69, je dois aller jouer un petit peu plus loin. Voilà, je dois me garer un peu plus loin par ici. Oui, si, je crois que c'est là. Bah oui, c'est ici, c'est parfait. Tac, allez, hop. On manœuvre bien, hop, on se met bien à hauteur du quai. Voilà. Est-ce qu'on est bien garé? Oui, ça va. Messieurs, dames, au revoir. Oula, la texture qui a pas chargé. Oula là, la texture qui a pas chargé. Tout le monde est sorti? Parfait. Eh bien voilà. Ah bah apparemment non, puisque regardez, il faut que j'aille. Il a pas compté. Oula, les ralentissements sont assez agréables. Ouais, 3 bus, 4 bus articulés et pam, ça y est, ça rame. Ah là 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 là. Bon allez. Fallait se mettre apparemment au quai pour embarquement parce que sinon il compte pas que vous avez fini le service. C'est ici? Ah il faut faire peut-être. Ah oui, il faut faire demi-tour ici. D'accord, d'accord, je comprends. Alors il faut laver quand même que la map est très jolie pour une aguatite. Oula, là, là ça je le sens pas là. Je le sens pas. Je vais même prendre le trottoir. Ah non. Je pensais que j'allais prendre le trottoir, mais non, ça va. Ah, ça change le film automatiquement, apparemment. Oula, qu'est bordel, là, il y a des bus dans tous les coins. Oula, oula, t'es con. Redresse, redresse, redresse. Redresse, redresse. Et voilà, ça y est. Et voilà, terminus. Tout le monde descend sauf le chauffeur. On va changer le film parce que c'est bon. Terminus, tout le monde descend sauf le conducteur. Oh bah justement, il doit repartir dans 2 minutes pour faire la ligne. Mais bien non, nous n'allons pas refaire la ligne dans l'autre sens. Non, puisque c'est là que nous allons laisser pour cette vidéo. Alors le temps que je trouve un film qui irait bien. Betriebsfahrt, il est où Betriebsfahrt? Ah voilà, Betriebsfahrt.
Voilà, celui que je cherchais. Oula! C'est très mal passé à la girouette, hein. C'est pas grave, hein, voilà. Eh bien, c'est comme ça qu'on se laisse pour cette chronique du bus, numéro 58, je crois, hein. Quant à moi, eh bien, on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez bien tout le monde. C'était Tech Mons, à vous les studios. Bye!